excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la capoeira, évidemment. Merci à tous et merci à Joana pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette présentation de l'outil open source Capoeira. Donc on est fiers de vous présenter cet outil, surtout ici au Capitole du Libre. Et avant que j'oublie, en haut à gauche de cette présentation, vous voyez un QR code que vous pouvez scanner et récupérer l'ensemble des ressources de tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc on va vous parler de Capoeira, qui est un outil de test et d'intégration dans l'écosystème Kafka. Donc on vous fera des rappels pour ceux qui ne connaissent pas Kafka. Le seul vrai prérequis pour profiter pleinement du slide, des slideware, c'est de connaître la cité de la peur et les nuls. Mais on va d'abord commencer par se présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Joana. Donc aujourd'hui, je suis data ingénieure dans l'entreprise Electra. Et cette année, je me suis aussi lancée en tant que speaker. J'ai notamment donné un talk aussi sur ma reconversion et justement le sentiment de légitimité. Voilà, donc, et puis je suis très heureuse de donner ce talk sur Capoeira, cet outil open source au Capitole du Libre. Donc pour ma part, c'est Mehdi Rebier. Je suis également data ingénieur et tech lead chez Electra, dans la même équipe que Joana. Et on va parler d'open source. Mais l'open source, Electra, qu'est-ce qu'il connaît à l'open source? Alors Electra, d'abord un bref rappel, donc, nous sommes une entreprise basée à Bordeaux, à Cestas, près de Bordeaux pour être précis. Donc on fait plein de choses intéressantes, mais ce n'est pas trop le but de cette conférence de parler de notre entreprise. Retenez juste que l'on fait des équipements connectés et qu'on va gérer du traitement de données dans l'univers du textile. On fabrique des machines de découpe de tissus connectées, pour être précis. Et en termes d'open source, donc c'est assez récent chez Electra, un éditeur logiciel. Donc pour démarrer notre approche open source, on est désormais membre de Naos, du cluster Naos, c'est une nouvelle Aquitaine d'open source. On est partenaire d'un projet qui s'appelle Herminfos, qui permet de scanner des licences dans un projet open source. Nous avons également ouvert un compte GitHub récemment, donc ElectraTech, et un compte Docker Hub, également ElectraTech. Où vous retrouvez l'image Docker de Capoeira dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, après ce talk, avec quoi vous allez repartir? Donc, on va vous présenter cet outil qui s'appelle Capoeira, qui va vous permettre du coup de tester vos Kafka Streams. Cet outil, on espère aussi que vous allez l'utiliser donc non seulement pour vos tests, mais aussi comme moyen de communication dans vos équipes, que vous soyez QA, développeur ou PO. On vous donnera des astuces pour l'utiliser justement dans votre vie de tous les jours. On vous fera une super démo qu'on a appelée le Burger Quiz, qui vous permettra de comprendre justement toutes les fonctionnalités de l'outil Capoeira. Et puis l'essentiel, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous repartirez avec le sourire. Donc d'abord l'historique de Capoeira. Donc, comme je disais, Electra fabrique des machines de découpe de tissus connectées. Donc, voici un exemple de machine de découpe. Donc, c'est assez grand, hein, ça ne rentre pas dans notre salon. Et on en a des milliers vendus à nos clients qui sont installés aux quatre coins du monde. Et ces cutters connectés envoient en permanence dans le cloud des milliers d'événements tous les jours. Donc, nous avons des collectes tous les jours de millions d'événements de ce que font les machines. Machine est allumée, éteinte, elle coupe pas, elle est en panne, voilà. Donc, tout ce qu'elle fait, on récupère cette information-là afin d'en faire des services. Je vais vous montrer. Juste pour rappeler qu'on a un volume de données conséquent et pour gérer le traitement de toute cette collecte et traitement de données, on s'est basé sur la stack Apache Kafka, la stack open source Kafka. Quelques rappels pour cette collecte et traitement de données. Donc dans le monde Kafka, on a différents concepts. Bon, classiquement, on appelle les producteurs, qui sont des applicatifs qui produisent de la donnée dans Kafka, des consommateurs qui vont venir la récupérer, la consommer de Kafka, des connecteurs qui permettent d'avoir des interactions avec des systèmes tiers, comme des bases de données, et la partie qui nous intéresse, des Kafka Streams, notez ici Stream Processor, qui sont des applicatifs qui vont faire à la fois producteur et consommateur, et en temps réel vont venir produire, modifier la donnée et la remettre dans Kafka. Ça, c'est très pratique, cette partie stream, pour faire des traitements en temps réel.
Donc, je vais remettre un petit peu l'illustration de ce qu'on appelle la data pipeline chez Electra. Donc, pour rappel, on a des milliers de cutters connectés aux quatre coins du monde. Tous ces cutters envoient de la donnée dans notre cloud. Et ces données vont rentrer dans Kafka dans ce qu'on appelle un topic, un premier topic. Alors, dans Kafka, le topic, on peut l'assimiler à un grand fichier de log, pour ceux qui ne sont pas au courant de cette partie-là. Donc, c'est quoi un fichier de log ? Pardon, c'est quoi un topic ? Donc, un grand fichier de log dans lequel on aura une clé et une valeur. Et on a illustré ça par ce petit logo là, de Kafka. Et on va enchaîner tout plein de traitements avec ce qu'on appelle donc, ces Kafka Stream. Chaque Kafka Stream va récupérer une donnée dans un topic, la modifier, l'altérer, la nettoyer. Les données vont ensuite être redéversées dans un autre topic. Et ainsi de suite, plusieurs Kafka Streams s'enchaînent pour réaliser ce qu'on appelle un data pipeline. Donc dans ces streams, on va pouvoir nettoyer les données erronées, essayer de les corriger si elles sont erronées. Enrichir avec d'autres données, d'autres référentiels pour au final terminer dans une base de données pour servir à des applications. Et bien sûr, nous sommes parfaits. C'est bien connu. Toute notre data pipeline, tout se passe hyper bien. On fait vraiment de la donnée de qualité dans nos streams. Il n'y a jamais de bug, c'est bien connu. Et en plus, quand on développe, on pense toujours à tous les cas, bien sûr. Et non, tu bluffes, Martini, pas tout à fait comme ça la vraie vie. Comme vous pouvez le deviner, un bug peut arriver, un problème peut arriver, un simple stream dans notre data pipeline peut produire une donnée erronée, pour différentes raisons. Et le fait d'avoir un enchaînement de traitements comme ça en cascade, une seule erreur peut être diffusée un peu partout. C'est vrai. Je bluffe. Et en plus, quand ça arrive, c'est la vraie boucherie. On s'en rend compte souvent trop tard, c'est-à-dire après le client. Et là, pour corriger, ça va être compliqué. Bon, du coup, c'est quoi la solution, Carla ? C'est très simple, il suffit de tester notre Kafka Stream. On va tester ces briques-là. Et en plus, c'est très bien, Kafka propose déjà une solution, ça s'appelle Topology Test Driver, un outil simple, rapide, efficace, qui permet de tester... Pas cher, qui permet de tester nos Kafka Stream. Et comme je vois que vous êtes hyper intéressé, je vais vous envoyer un test Scala pour vous montrer comment ça marche. C'est très simple. On va dire qu'il suffit d'instancier ce qu'on appelle un Topology Test Driver, d'où le nom. C'est une infra moquée de Kafka. On va instancier un faux Kafka. Et on va ensuite définir ce qu'on appelle la topologie. Une topologie, c'est quoi ? C'est sur un Kafka Stream, c'est décrire les entrants et les sortants. Donc l'entrant, dans mon exemple, c'est un simple topic que j'appelais input topic. Pour rappel, un topic, c'est une donnée avec une clé et une valeur. La clé, dans mon exemple, est simple, c'est une chaîne de caractères, string, et une valeur, c'est une chaîne de caractères aussi. Et un topic sortant, un output topic, qui lui aussi sera tagué en clé string et en value string. Et donc topology test driver, c'est quoi ? C'est un simple test unitaire qui va décrire dans le scénario une émission de clé valeur dans l'entrée. Donc là, j'ai mis MyKey, MyValue en entrée. Et je suppose que le stream que je veux tester va réaliser un traitement. Donc je vais asserter qu'en sortie, j'ai bien un élément qui est retrouvé. Et lorsque je lis cette donnée de sortie, la clé, on voit qu'elle n'a pas été changée. MyKey reste MyKey. En revanche, la value a été modifiée avec un suffixe. Donc voici un exemple simple de test unitaire qui permet de s'assurer que le stream fait ce qu'on veut, à savoir ajouter un suffixe sur la value. Voilà, tout est bien, on est content, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a déjà un outil qui permet de faire les tests sur nos Kafka Streams. Attends, là, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Bon, ton outil, il est pas mal, mais pour moi, il n'est pas parfait. Déjà, on voit qu'on travaille sur une infrastructure moquée. On ne travaille pas sur la vraie infrastructure avec le vrai cluster Kafka. Du coup, ça ne va pas nous permettre de réaliser des tests d'intégration, par exemple. En plus, là, c'est pas mal, ça permet de tester unitairement un stream. Mais comment on fait si on veut tester plusieurs streams à la fois ? Parce qu'on a le cas de figure où un stream tout seul, ça va bien marcher, puisqu'on a bien pensé à notre cas sur notre stream dans son coin. Mais quand on met notre stream dans une pipeline de données, on ne va peut-être pas penser à le cas où la donnée elle va avoir telle caractéristique. Et puis finalement, donc, quand on va tout mettre ensemble, ça ne va pas faire ce qu'on veut. Donc, et puis aussi, c'est toujours très intéressant de faire des tests de bout en bout, des tests end-to-end. Mais là, ton outil, ça ne nous permet pas de faire ça.
En plus, le test, ça va être écrit en Scala, donc ça plutôt à destination des développeurs. Nous, on recherche plutôt un outil qui permettrait à notre ingénieur QA de faire ses tests et d'avoir des tests qui sont plutôt lisibles. En plus, plus les tests vont être lisibles, plus ça nous donnera aussi un outil de communication. Si c'est lisible par tous, qu'on soit QA, développeur ou PO, ça nous permettra peut-être, justement, lors des séances de conception des user stories, de bien définir ensemble c'est quoi l'attendu d'un stream et de faire justement des tests d'acceptance. Donc, je résume, Topology Test Driver répond parfaitement à la première strate de la pyramide des tests, les tests dits unitaires, mais il ne répond pas à la deuxième partie, test d'intégration, ni à la partie test de bout en bout. Donc, on imagine le besoin d'un outil qui permette de remplir ces cases manquantes et qui, en plus, soit simple en termes de syntaxe. Tiens, quand tu me dis ça, en fait, ça me fait un petit peu penser à un outil qui existe déjà, qui s'appelle Karaté. C'est un outil qui permet de tester les API HTTP. C'est basé sur la syntaxe Gherkin, le fameux Given When Then, et ça a été créé en 2017. Moi, j'en avais entendu parler à BDXIO. C'était un talk qui expliquait justement cet outil donné par Nicolas Comet et Benoît Prioux en 2018. Donc peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. Donc rappelons que Karate, c'est un outil de thèse d'intégration, mais plus orienté HTTP. Et nous, notre contexte, c'est du Kafka. Donc il faut imaginer un autre protocole, mais en gardant la même philosophie. Eh bien, c'est ce qu'on a fait du coup. C'est ce qu'on a fait. On a créé cet outil Capoeira, donc fortement inspiré de Karaté. Donc, je vous présente un test Capoeira en exclusivité au Capitole du Livre. Donc, en fait, ça va être un fichier texte tout simple. On va utiliser l'extension .feature. Donc, on va avoir un ensemble de fichiers texte .feature. Donc, voici l'exemple. Et donc, on va retrouver une certaine syntaxe que je vais vous présenter. On va avoir une première partie, feature. On va donner le titre de la feature qu'on va vouloir tester. Donc ici, c'est My First Capoeira Feature. Dans cet exemple, on reprend le même exemple de Kafka Stream que tout à l'heure. On imagine un Kafka Stream qui va juste ajouter à la valeur le suffixe suffix. Donc c'est le même test que tout à l'heure, mais écrit sous forme Capoeira. On va retrouver pareil notre topologie qui va être dans un background. Donc ici, on va avoir le topic d'entrée, input topic. On peut en avoir plusieurs, du coup on met ça sous forme de tableau. Donc je vais avoir le nom de mon topic, je vais pouvoir spécifier un alias. Ça va aider quand des fois les topics ont des noms plutôt longs ou pas très parlants. Là, on va vraiment spécifier déjà que c'est le topic d'entrée avec un petit suffixe justement, mais voilà, l'alias pour après dans notre test utiliser le topic de façon plus parlante. On va préciser c'est quoi le type du topic, le type de la clé et le type de la valeur. Ici c'est du string, mais ça pourrait être du JSON, de la RAW. On va avoir aussi les topics de sortie. Donc ici je retrouve pareil le nom du topic, l'alias, les formats de la clé, de la valeur, et aussi cette autre colonne. 5, c'est pour 5 secondes, c'est 5 secondes qu'on va donner à notre Kafka Stream pour effectuer son traitement. Donc ici, on va avoir un ou plusieurs scénarios. Ici, on a illustré un scénario nominal, mais ici, on aurait pu mettre un autre titre pour vraiment illustrer notre cas de test. On va retrouver la syntaxe ON et ZEN. Donc ça va être quand j'envoie des records, donc des événements. Quand ils sont envoyés donc dans mes topics d'entrée, donc ici j'en ai un, donc quand j'envoie my key et my value dans mon topic d'entrée, alors je m'attends à récupérer dans mon topic de sortie quelque chose avec toujours my key et le résultat. Et sur le résultat, je vais faire une assertion et je vérifie que my value on a bien ajouté le suffixe. Donc voilà ce qui est un test Capoeira. Et derrière, on va vous expliquer du coup comment ça marche. On va reprendre un autre exemple. Donc ici, un autre stream toujours assez simple. Donc on va retrouver notre topic d'entrée.
Donc, dans notre topic d'entrée, on va avoir des lettres simplement qui vont être envoyées, des lettres minuscules. Et on va dire que le travail de notre Kafka Stream va être de modifier la lettre et de la mettre en majuscule. Du coup, dans notre topic de sortie, on aura la même lettre en majuscule. Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, comment on fait pour tester ce Kafka Stream avec Capoeira? Alors, Capoeira, lui, va être capable de produire de la donnée directement dans le topic d'entrée. Donc, on va dire qu'il va produire la lettre K minuscule dans le topic d'entrée. Du coup, le stream va faire son travail, il va transformer le K en K majuscule et produire ça dans le topic de sortie. Capoeira va du coup s'occuper de consommer aussi le topic de sortie. Il va récupérer le fameux K majuscule et il va faire une assertion dessus et vérifier que l'attendu est là, qu'on a bien un K majuscule. Et ça va aussi générer un rapport qu'on va vous montrer. Et si on va encore plus loin de comment ça marche, donc on a le même graphique que tout à l'heure. En fait, là je retrouve mon fichier test.feature, mon test Capoeira. On va utiliser une syntaxe Gherkin. Et ça va nous permettre d'être capable de l'interpréter et de traduire ça justement en commande qui va produire de la donnée et consommer de la donnée. Pour faire ça, on va utiliser le framework Cucumber. On a utilisé la version Scala, parce que c'est ce qu'on utilise le plus dans notre quotidien du Scala. Et donc Cucumber, il va être capable d'interpréter ce fichier test Capoeira et de faire nos actions de produire de la donnée et de consommer de la donnée. Et en plus de ça, Cucumber, c'est ça qui va nous permettre aussi de créer un rapport où là, on va vraiment voir le résultat de notre test. Est-ce que tout s'est bien passé? Dans ce cas-là, on aura des petites coches vertes et voir si le test est en succès ou KO. Donc, on va revenir maintenant sur quand a été créé tout cet outillage. Donc, d'abord, Capoeira est né en 2020 chez Electra, d'abord en Inner Source. Donc on l'a d'abord développé pour un besoin Electra et on l'a co-écrit, co-défini avec notre ingénieur QA avec une version très simple. On voulait de suite avoir quelque chose d'opérationnel. Donc on a fait le choix de faire une syntaxe la plus simple possible au début, avec ses quelques défauts évidemment. Et pareil, une implémentation très simple. On s'est dit, ok, il faut parler à Kafka, donc on va se baser sur ce que Confluent, qui est le principal maintenant de Kafka, propose déjà pour pouvoir produire et consommer de la donnée. Donc à savoir une ligne de commande, Confluent CLI. Voilà. Donc Confluent propose déjà l'outillage pour consommer, produire avec plein de paramétrages. Donc on s'est basé sur cette implémentation-là pour la première version de Capoeira. Ensuite, en 2020, on a choisi plutôt d'utiliser du Scala pour faire justement la partie production, consommation de la donnée. Voilà, parce qu'on était plus à l'aise aussi avec le Scala. Ça nous a permis de faire un petit peu plus de choses. On a voulu aussi améliorer la syntaxe en utilisant justement les Gherkin Data Table. Donc c'est ce qu'on voit ici sous forme de table. Ça permet justement d'éviter d'être trop verbeux et d'avoir vraiment une visualisation plus claire de notre topologie par exemple ou de notre test. Ensuite, en 2021, on a ajouté justement l'utilisation du framework Scala Z.I.O. Ça nous a permis notamment d'améliorer les performances des tests. On a aussi choisi d'exécuter les tests en parallèle pour gagner aussi de la performance. Et puis parce que c'était adapté aussi à ces tests. Et on a aussi ajouté l'option de pouvoir gérer l'envoi de lots d'événements de façon ordonnée. Donc ça, c'était justement pour les cas de figure où dans nos Kafka Stream, on va avoir certaines jointures qu'on va vouloir tester. Et du coup, en 2023, on est vraiment hyper content de présenter cet outil à la communauté open source, donc que ça soit utilisable vraiment par tous et aussi ouvert aux contributions. On est heureux aussi de vous présenter aujourd'hui cet outil qui est le fruit de notre travail, mais pas seulement, celui de toute notre équipe. Voilà, je tenais à le dire, parce que c'est un travail vraiment de plusieurs personnes. Pour retrouver les sources et aussi la documentation pour utiliser Capoeira, vous pouvez utiliser ce lien GitHub. C'est là où se trouvent les sources de Capoeira et l'image Docker qui se trouve aussi à cette adresse.
Donc, on va vous présenter dans la démo comment ça marche, des exemples d'utilisation. Mais déjà, tout simplement, pour utiliser Capora, il suffit d'utiliser cette commande Docker. Donc, ici, on va retrouver le dossier. Il faudra préciser le dossier où se trouvent vos fichiers Capora, vos tests Capora. Donc, tous les fichiers .feature se trouveront, il faudra préciser où ça se trouve. Où vous voulez trouver les rapports avec justement les résultats de vos tests. Et puis d'autres options plutôt liées à Kafka. Et il y a encore d'autres options disponibles que vous retrouverez dans la documentation de Capora. Et puis bien sûr, le nom de l'image ici. Mais on va vous illustrer ça juste après. Avant ça, voilà, juste un petit mot pour dire que ben, on espère que c'est le début justement de ce nouvel outil. Et que voilà, il y aura d'autres contributeurs, peut-être vous, qui nous aideront justement à améliorer l'outil, apporteront d'autres idées. Et que voilà, l'intelligence collective feront que bah, l'outil sera encore mieux et applicable dans encore plus des cas, parce que nous seuls, on ne peut pas penser forcément à tous les cas de figure. Passons maintenant à la démo tant attendue. La démo. Burger Quiz, donc c'est la thématique pour illustrer notre exemple de Kafka Stream et de Capora. Donc, on a essayé de reproduire une petite pipeline de données, illustrant bah, une certaine complexité, mais en étant un peu dans la thématique d'Ala Chava et des nuls. Donc, qu'est-ce qu'on a comme entrée? On a plusieurs topics d'entrée et on va essayer de constituer un menu burger. Okay, donc pour ça, on va avoir trois Kafka streams. Le premier Kafka stream qu'on a nommé Fries Factory, qui va réaliser des frites. Un deuxième Kafka stream qu'on a appelé Burger Factory, qui va réaliser, à votre avis, des burgers. Et un dernier qui s'appellera Meal Factory, qui va juste assembler les deux, tout simplement. Voilà. Alors pour la démo, on va utiliser un Docker Compose, donc l'outil qui permet en local de lancer plusieurs conteneurs Docker. Donc, hop, je quitte le plein écran, je vais vous montrer ça en détail. Donc le Docker Compose, pour ceux qui n'ont jamais rencontré cet outillage, c'est un moyen textuel de décrire une infrastructure. Vous allez lancer en local le schéma que je vous ai montré. Donc on va retrouver ici tous les services nécessaires pour avoir un Kafka en local. Et ensuite, on va retrouver le démarrage de chacun de Kafka Stream. Je vais juste dépiler le premier pour voir les paramètres qu'on passe. Donc là, on va juste nommer notre service Kafka Stream. Et on va également définir qu'on interagit avec le cluster Kafka local. Et les dernières parties, c'est les tests Capora. On a vu que pour lancer Capora, il faut le lancer via Docker. Donc on va le lancer plutôt via Docker Compose, qui lui va appeler Docker. Si je prends le premier, Capora Fries, qui est donc le lancement des tests d'intégration Capora sur le stream Fries Factory. On voit qu'on se base bien sur l'image Docker Electratech Capora. Et on va définir les volumes, comme l'a montré Johanna, à savoir où se trouvent les fichiers features Capora et où se trouvent les fichiers rapports qui vont être générés à la suite de l'exécution des tests. Et évidemment, les paramètres Kafka pour savoir où se trouve cette infrastructure. Donc, j'aurais dû lancer le test avant, c'est pas grave. Hop. Je lance en fait toute l'infrastructure. Donc, on va lancer le Capora, on va lancer l'infra Kafka et l'exécution de test Capora. Hop, pendant ça se lance. Je peux passer sur les slides de User Story. Ouais, exactement. Donc, pour illustrer le premier test Capora qu'on va vous montrer sur Fries Factory. Donc, on va faire une brève précision sur ce qu'on appelle donc la topologie, donc à savoir les topics d'entrée et les topics de sortie. Donc, c'est une usine de frites, c'est simple. En entrée, on a un topic potato, et en sortie, on a ce qu'on a appelé side dishes, donc un accompagnement. Et donc, on va s'illustrer notre scénario sous cette forme-là, en mode user story, donc en mode agilité. On a un product owner qui nous exprime son besoin. Il nous dit, voilà, en tant que cuisinier, moi j'ai envie de dire que, étant donné notre usine de frites, si jamais en entrée je lui donne une pomme de terre, je m'attends à avoir en sortie un cornet de frites. C'est simple. Donc voilà ce qu'on va essayer d'illustrer en test Capora. Parfait, entre temps, ça s'est lancé. Donc je vais vous montrer le scénario Capora. Oh. Est-ce que c'est assez gros ou pas? Vous voyez bien? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc on va d'abord définir un fichier .feature, donc j'ai appelé friesus1.feature. On nomme notre fonctionnalité, donc je vais appeler friesfeature.
On définit cette topologie, hein, donc à savoir un background. Donc on va définir dedans les topics d'entrée. Donc on va retrouver un topic potato, comme décrit dans le slide, que j'ai nommé ici potato in. Pareil, la clé d'entrée, le type de la clé en entrée, c'est une string, et la value, c'est aussi une string. Topic de sortie, donc le side dishes, que je renomme side dishes out, pour bien distinguer l'entrée de la sortie. On a pareil un typage de données assez simple, hein, string, string. Et de nouveau, le paramètre 5 qui permet de dire quel est le temps que je laisse à mon Kafka Stream pour sortir la donnée, modifier. Et ensuite, on va retrouver les différents scénarios. Donc, je prends mon scénario nominal, tel que écrit dans la user story. Et on va retrouver la même chose. Hein. Dans mon topic d'entrée, en tant que cuisinier, donc on va utiliser le cuisinier comme clé du message envoyé, j'envoie une pomme de terre. Et dans mon topic de sortie, toujours pour ce même cuisinier, là on met un mot-clé ou un alias qu'on nous laisse résulte, et c'est là qu'on va faire l'assertion pour dire bah, je m'attends. Alors ça c'est une syntaxe JSON pass avec le dollar. Dollar c'est pour dire que c'est l'élément courant, ça pourrait être un sous-élément, vous allez voir plus tard dans d'autres exemples. Donc là l'élément courant, donc la consommation de la sortie, bah, on s'attend à avoir un cornet de frites, tout simplement. Et je peux même relancer explicitement le scénario. Ça, c'est juste pour lancer que le test Kapoera. Je relance que le test Kapoera pour la partie Fries Factory. Et je vais aller voir le dossier des rapports. Donc, je suis sur Fries Factory, voilà. Donc là, on voit que le fichier internet généré par l'outil, voilà, là, il est terminé. Et on a un rapport HTML qui nous est fourni grâce à Cucumber. Donc, on voit bien notre feature. Le nommage, le background, et on voit une petite coche verte pour dire que le test s'est bien exécuté en succès. Donc le background, tout s'est bien passé, le scénario nominal s'est bien passé également, on a bien envoyé une pomme de terre, et en sortie, on a bien un cornet de frites, tout est magnifique. Et on voit qu'on avait aussi créé un deuxième scénario alternatif, cette fois-ci, on s'est dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'envoie pas une pomme de terre? J'envoie par exemple un brocoli, avec un autre cuisinier. Eh bien, ce brocoli, on se rend compte, c'est le choix qui a été fait côté dev. Si c'est pas une pomme de terre, notre product owner ne nous a rien spécifié, eh bien, on a fait le choix de dire qu'on ne fait pas de transformation. Une pomme de terre devient un cornet de frites, mais autre chose qu'une pomme de terre reste telle qu'elle. Donc le brocoli reste brocoli. Et alors là, on va faire un petit test, on va modifier le test caporal, on va se dire que se passe-t-il si désormais dans mon scénario alternatif, vous avez vu, j'ai mis un autre cuisinier. Qu'est-ce qui se passe si je mets le même cuisinier? Pendant que je le fais, je laisse réfléchir. Selon vous, que va-t-il se passer? Est-ce que les scénarios vont être en succès ou en échec? Donc là, je relance que mon test Kapoera, qui va relancer l'ensemble des scénarios de ces features. Donc là, hop, le test est en train de s'exécuter. Voilà, hop. Et il y a une erreur. Il y a une erreur, pourquoi? On va regarder ce que dit le rapport Kapoera, enfin Cucumber via Kapoera. Il nous dit que là, c'est le nominal qui ne marche plus. Bizarre, tout à l'heure il marche, et j'ai modifié le scénario alternatif. Hein. Là, il me dit que brocoli n'est pas cornet de frites. Et je pense que vous êtes d'accord avec ça, un brocoli, c'est pas un cornet de frites, effectivement. Alors, que s'est-il passé? Alors, pour ceux qui sont déjà un peu au courant de comment marche Kafka, donc là, on a dit que c'était, on envoie des données dans le topic d'entrée. En fait, les deux scénarios ne se passent pas successivement, ils se passent en parallèle. Donc, potentiellement, au même moment, le nominal et l'alternatif lancent leurs données d'entrée, et au même moment, ou pas très loin, la sortie va être consommée par le premier ou le deuxième scénario. Et bien en fait, là, il y a eu un chevauchement des deux scénarios. Le brocoli a été envoyé quasiment en même temps que la pomme de terre, et les deux cherchent avec la même clé à trouver une valeur. Bah, chacun va prendre le premier qu'il trouve, et qui est dispo. Et bien en l'occurrence, il y en a un qui a lu l'élément de l'autre. Donc en gros, la bonne pratique, ceux qui font des tests unitaires le savent bien, chaque test doit être indépendant. Et là, on est sur une infrastructure. Donc la bonne approche, c'est de faire en sorte de chacun une infra commune. Donc il vaut mieux que chaque test soit dans son silo en termes d'isolation fonctionnelle. Donc là, comment faire pour résoudre le problème? C'est ce que j'ai fait dans le test avant. On fait un autre cuisinier, tout simplement. Chaque clé, une clé par test, on va dire, pour être sûr que personne se marche dessus. Et ça, c'est pas très satisfaisant de dire ouais, il faut penser à faire à chaque fois un nouveau truc. Bon. Alors, Kapoera propose un moyen, c'est un fonctionnement classique dans les tests unitaires,
c'est de, on peut ajouter un suffixe, par exemple, la clé, là je reprends mon premier cuisinier du début, je peux ajouter une clé, comme un UID, hein, une chaîne unique, qui va être générée au début de notre scénario. Donc là je dis, ok, bah, je reprends mon même scénario nominal, mais cette fois-ci, au niveau de la clé, je lui ajoute un suffixe à travers une syntaxe de call function qu'on a définie dans la syntaxe Capoeira. Il y a plusieurs fonctions disponibles. Là, je vous en montre une, celle de UID. Donc, on va récupérer ça dans une variable qu'on va pouvoir exploiter là en suffixant la clé. Il faut savoir que cette variable peut être utilisée aussi dans la value ou dans d'autres assertions. Donc là, nous avons un autre moyen. Donc, si je relance de nouveau le test, hein, nous avons un moyen de suffixer que chaque scénario soit bien unique. Ils peuvent se lancer en même temps, c'est pas gênant. Personne ne va venir manger la pomme de terre de l'autre. Si je peux. Voilà, tout est remplacé. Et on a fait un dernier exemple de syntaxe pour voir un peu les fonctionnalités de Capoeira. Depuis le début, je fais que d'envoyer les données directement dans mon fichier feature. La pomme de terre est envoyée à chaque fois ici. Et cette pomme de terre peut également être envoyée à travers un fichier. Car lorsqu'on fait des traitements de données, en fait, les fichiers peuvent être conséquents. Donc un grand fichier JSON par exemple. Donc plutôt que d'envoyer explicitement le contenu, on fait référence à ce contenu qui lui se trouve dans un fichier. Donc là pour l'exemple, on a juste défini, si je vais dans le dossier Rice Factory, voilà, j'ai mon US et j'ai défini un record ici. Donc là j'ai défini 4 pommes de terre dans un fichier. Donc on va dire que chaque ligne sera une émission. Ok, et donc si je reviens sur mon US, je vais dire hop, sur la partie file. Toujours pareil, en tant que cuisinier, avec le suffixe, tout ça, je vais envoyer des pommes de terre qui sont définies dans le fichier, chaque ligne étant une émission. Et on peut, si on le souhaite, asserter toute ou partie de ce qui a été transformé. Donc là, on a tout asserté, les 4 records attendus, et les 4 sont bien transformés en fuite. Donc voilà un premier exemple d'utilisation de Capoeira sur notre Phrase Factory. Donc voilà, et l'autre chose intéressante à noter, c'est que les rapports sont en HTML, ils sont très proches du code qui est écrit, le fichier feature. Des data tables sont très explicites et du coup le rendu est assez parlant. Alors, on va illustrer maintenant un nouveau cas de figure. Donc, on a nos frites, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il nous faut un petit burger pour aller avec. Donc, dans ce cas, on va retrouver le stream Burger Factory. Et je vais avoir du coup 3 topics en entrée. Un topic pour le pain, un topic pour les légumes et un topic pour la viande. Et en sortie, un topic où je vais retrouver les burgers. Donc si on illustre ce besoin sous forme d'une user story, je vais avoir en tant que cuisinier, et étant donné mon usine à burgers, si j'envoie les ingrédients suivants, donc du pain, tomates et de la viande, que ce soit bœuf, poulet ou poisson, je m'attends à avoir en résultat un délicieux burger. Donc si on veut illustrer ce besoin sous forme d'un test Capoeira, qu'est-ce que ça va donner? Donc ici, je vais avoir, comme tout à l'heure, la partie background. La différence ici, c'est que j'ai 3 topics en entrée. Donc comme j'ai un tableau, c'est assez pratique, je vais pouvoir trouver mes 3 topics sur chacune des lignes, avec leur format à chaque fois de préciser. Donc je vais bien retrouver mon pain, mes légumes et mes viandes. En sortie, j'aurai qu'un seul topic, celui du burger, donc comme tout à l'heure. Et là, petite particularité, tout à l'heure on vous a montré la fonction qui permet de générer un UID. Cet appel à fonction, on peut le factoriser et l'appeler dans le background. Et ça sera appelé en fait à chaque début de scénario. On aura bien un UID différent à chaque scénario. Et on pourra utiliser cette variable dans nos scénarios, vous allez le voir. Ici, pour mon scénario, je vais préciser le mot-clé outline. Ça signifie que je vais faire un template de scénario et qu'au final, derrière, ça va m'en lancer plusieurs. Mais je vais le créer sous forme de template. Donc, pour illustrer ma Burger Factory, donc, je vais retrouver aussi les mots-clés de quand j'envoie des événements. Donc ici, dans chacun des topics d'entrée, je vais envoyer du pain, des légumes et de la viande, mais plutôt que préciser directement la valeur, c'est là que je vais utiliser un alias. Donc entre chevrons, je vais préciser le nom de ma variable. Donc je vais utiliser la variable tout simplement bread, vegetable et meat, et je lui donnerai une valeur un petit peu plus tard. Dans le topic de sortie,
Pareil, j'ai utilisé la variable et surtout donc sur l'assertion, j'ai utilisé pareil une variable que je vais appeler output. Et finalement, en fait, l'étendue fonctionnelle de mon test, je vais le retrouver ici, là où je vais donner des valeurs à mes variables. Donc, en fait, chaque variable, chaque ligne, ça va être un test. Et dans le premier test, ma variable, ça sera remplacée, donc ma variable bread, ça sera remplacée par ce petit pain. Donc finalement, dans mon premier test, je vais dire que quand j'envoie du pain, de la tomate et du bœuf dans mes topics d'entrée, je m'attends à voir en sortie un délicieux burger. Pareil, quand j'envoie du poulet, je m'attends à voir un burger. Pareil pour le poisson. Et là, le cas un peu moins passant, si j'envoie une carotte dans mon topic vegetable, je ne sais pas si vous avez déjà goûté un burger carotte, moi je ne connais pas trop. Du coup, on a décidé qu'on envoyait les éléments tels quels, séparés par un plus, voilà, sous forme de chaîne de caractères. Donc ici, en un scénario template, finalement, j'ai lancé 4 tests à la fois. Et du coup, dans mon résultat, dans mon rapport, ben, je retrouve les éléments que je vous ai montrés. Et justement, je retrouve mon tableau, où là, j'ai bien tous les 4 tests que j'avais illustrés dans ma user story, et la petite coche verte qui disent que tous les scénarios sont bien passés. Je me trompe. Du coup, on va faire un dernier cas, celui des tests de bout en bout. Comme on disait tout à l'heure, on a voulu illustrer justement une pipeline de données. Donc, on retrouve les fraises et les Burger Factory. Et puis, on va dire qu'au bout de ces 2 streams, on va avoir un 3e stream qu'on appelle Meal Factory, qui va nous faire un fameux menu burger frites. Donc, on voit que pour faire un test end-to-end, on va vouloir justement s'attacher à uniquement l'entrée. On ne va pas vouloir trop gérer ce qui se passe au milieu. Et on va vouloir s'occuper de qu'est-ce qu'on attend en sortie. Donc, c'est ce qu'on va illustrer dans notre user story. Donc, toujours en tant que cuisinier, étant donné ma pipeline de burger quiz, si j'envoie les éléments dans mes topics d'entrée, donc du pain, de la tomate, de la viande, mais aussi une pomme de terre, je m'attends à avoir en sortie un délicieux menu burger frites. Donc comment on va illustrer ça sous forme de test capora? Pour aller plus vite, je vais vous montrer directement le rapport, puisqu'on voit l'étendue du test. Donc pour ma feature test end-to-end, c'est pareil, je vais utiliser aussi un scénario outline. Donc dans ma description, on voit bien que je retrouve mes topics d'entrée. Je vais avoir potato, bread, vegetable, meat. Je ne vais pas avoir par exemple le topic side dishes, puisqu'on ne va pas avoir à s'en occuper. Je vais avoir en sortie mon topic meal. Donc j'envoie tout sous forme de variable, et finalement l'étendue du test se trouve dans mon tableau. Si j'envoie du coup la pomme de terre, du pain, une tomate et du bœuf, je m'attends à avoir le fameux menu burger frites. Mais si j'envoie ma carotte à la place de la tomate, là j'ai les éléments séparés les uns des autres, plus le petit corps détruit, puisque le potato, il a réussi à se transformer en frites. Voilà pour les illustrations. Je reprends la main, merci. Donc voilà quelques fonctionnalités proposées par Capoeira, mais il y a évidemment plein d'autres choses. Là, on a voulu volontairement montrer des exemples très simples de chaînes de caractères avec des emojis, mais on peut évidemment gérer d'autres formats de données. On a parlé aussi du format string, mais en fait, on peut avoir d'autres types de formats compressés, comme par exemple Avro, qui est un format très utilisé dans le monde Kafka. Hop, je vous montre un exemple. Il suffit de définir les différents types, on appelle les subjects dans le monde Kafka, donc les différents subjects de type Avro par exemple, et plutôt que d'envoyer des clés en string pour clés ou valeurs en string, on peut envoyer des formats Avro. On peut aussi gérer le format JSON schéma. On a également d'autres types d'assertions que simplement dire $ égale quelque chose. Hein. On peut faire des assertions plus complexes. Par exemple, si c'est un objet type JSON qui est retourné, on peut venir asserter un sous-élément avec le JSON pass. Donc, là, il y a un sous-objet fou qu'on asserte. Ça peut être également un match object. On peut asserter des tableaux et ainsi de suite. Donc là, on exploite pleinement la capacité de JSON pass. On peut aussi gérer l'émission et l'assertion de header Kafka. Donc Kafka, comme pour HTTP, on a des principes de header, donc une map de clé-valeur qu'on peut envoyer en même temps que la clé et la valeur. Et on peut la gérer également dans Capoeira.
Et on peut aussi appeler des call scripts. On vous a montré tout à l'heure call function pour UID. Donc il y a une liste de fonctions proposées. Mais il y a aussi un point d'ouverture avec un call external script. Ici un exemple. Voilà. Ici vous pouvez appeler un call script. Ou dedans vous écrivez directement un script bash pour faire ce que vous voulez dans votre test Capera. Ça peut être soit du code directement écrit dans votre feature ou appeler un fichier qui fait ce que vous voulez. Et alors du coup là ça fait un point d'ouverture assez fort, hein. Vous pouvez très bien appeler un script Python, appeler une image Docker, faire des choses assez complexes. Donc c'est un point d'ouverture qu'on aime proposer parce qu'on a souvent ce besoin de pouvoir interagir avec des systèmes tiers. Bon. C'est un premier point d'ouverture et on a d'autres idées hein, pour améliorer cette partie-là. On a également une mécanique de traitement par lot pour les émissions et réceptions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller voir la documentation. Bon, après ce menu Burger Quiz fortement calorique, en plus on avait déjà bien mangé ce midi, on va vous proposer en guise de digestif notre retour d'expérience sur cet outil. Alors, du coup, juste pour préciser qu'on est une petite communauté déjà dans notre entreprise à utiliser l'outil. Il n'y a pas seulement notre équipe, mais d'autres personnes qui utilisent Kafka utilisent aussi Capora pour leurs tests, donc on partage déjà ensemble nos trucs et astuces. On essaye dans notre équipe d'utiliser cet outil pour définir des tests d'acceptance. Donc ça veut dire que quand on fait des conceptions de user story, on essaye d'illustrer l'attendu en fait, que le PO nous demande par un test Capora. Ça nous permet vraiment d'être sûr d'avoir tous bien tout compris avant d'entamer les développements. C'est un outil qu'on trouve vraiment facile d'utilisation, très lisible, et donc c'est facile pour notre ingénieur QA de créer ses tests, de les enrichir au fur et à mesure. Surtout que les tests sont au même endroit que le code, donc en fait ils vont évoluer en même temps que le code. Ils sont versionnés aussi sous Git de la même façon. Et puis on utilise cet outil aussi en tant que test end-to-end pour tester toute notre pipeline de données. Donc un petit slide résumant les avantages de l'outil. Donc on fait des tests sur une vraie infra Kafka, pas une infra moquée comme Topology Test Driver. On juge que c'est un outil simple à utiliser, avec ses syntaxes texte qu'on met sous Git liés au code. C'est un outil qui sert également de communication pour les différents profils du projet, producteur, ingénieur QA et dev. Ce sont des tests qui servent également de documentation, comme ils sont commités avec le code sous Git. Ça sert de spec pour se rappeler ce que fait chaque Kafka stream. Et on peut même les utiliser comme test d'acceptance pour valider nos user stories. Bon, mais du coup, peut-être que ça vous a donné envie d'utiliser cet outil et peut-être même d'aller plus loin. Peut-être vous avez envie de contribuer et de nous aider à l'améliorer. Donc si c'est le cas, il y a le petit lien ici pour justement nous aider aux contributions. Après, voilà, on est un peu débutant quand même dans tout ce qui est open source. Donc on n'a pas encore mis en place une super façon de faire. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi directement et même à nous faire des conseils, des recommandations pour s'améliorer dans cette partie-là aussi. On est preneurs de conseils. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Cet afro-cauchemar est maintenant terminé. Avant de partir, des petites précisions. Alors, si vous voulez retrouver ces super slides, vous avez ce QR code qui se trouve ici. Si vous voulez retrouver le code source de Capora, il est ici. Si vous voulez nous contacter, là, il y a nos pages GitHub pour retrouver un petit peu ce qu'on fait et puis des liens pour nous contacter directement. Je suis aussi dispo sur LinkedIn. Et ici, un autre QR code, c'est si vous voulez nous faire des retours sur cette présentation. Nous, on aimerait bien justement s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à vous faire nos retours en direct ou alors via ce QR code. Puis, on se quitte en musique. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on vous écoute. Je peux laisser le micro. Oui. Alors, vous fournissez une image Docker carrément.
peut-être faut le micro peut-être. On répétera la question. Donc la question c'était, on fournit une image Docker, et est-ce que c'est documenté pour justement qu'on puisse recompiler cette image ou construire? Alors, effectivement, là je montre directement le repo GitHub, donc on a bien la description du Dockerfile hein, pour savoir comment est-ce qu'on build Capoeira, et hop, donc on a utilisé l'intégration continue de GitHub, avec Workflow, GitHub Action. Hop. Donc oui, on va dire que ce n'est pas explicitement documenté pour facilement savoir exactement comment le rebuilder, mais la CI qui est publique montre comment builder, c'est extrêmement simple, Docker build, il n'y a pas de spécificité complexe. Mais là, en fait, on va plutôt revenir sur la question tout à l'heure de la contribution. Aujourd'hui, tout est scripté, on a défini comment builder Capoeira, on est encore en train d'affiner le workflow pour les releases de Capoeira. Et je pense que clairement, c'est un point d'amélioration aujourd'hui pour mieux communiquer comment quelqu'un forquant le projet, le builder local, lance les tests comme nous on le lance. Voilà. C'est en construction. Mais vous avez assez simplement la capacité à tomber le repo, Docker build, faire vos modifs, il n'y a aucun souci, et utiliser une image Docker buildée en local. Je crois que dans la doc, on a mis une partie build, mais voilà, on donne simplement la commande de Docker, oui, dans je crois. Effectivement, auto build. Docker build, voilà. Donc c'est le build de base qui va lancer les tests unitaires et packager l'image Docker, effectivement. Merci Joanna de repréciser qu'on a déjà un début de documentation. Mais clairement, on doit encore s'améliorer pour surtout s'assurer que lorsque quelqu'un proposera une contribution, que l'ensemble des tests d'intégration proposés pour l'intégration de Capoeira lui-même soit validé. Il y a d'autres questions dans la salle? Donc si j'essaie de reformuler la question, c'est est-ce qu'on gère la rétrocompatibilité lors des évolutions de Capoeira pour ceux qui auraient déjà investi du temps dans des tests? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a une première syntaxe, on a fait des tonnes d'ajouts, on n'a jamais enlevé des syntaxes. Là, on a déjà des idées d'amélioration encore dans la syntaxe pour rajouter de nouvelles fonctionnalités. L'idée, évidemment, c'est de ne pas être cassant, de ne pas enlever la syntaxe existante. Donc ça, on sera évidemment très vigilant pour proposer des versions rétrocompatibles avec les précédentes. On doit aussi gérer les évolutions avec Kafka. Là, on est lié à une version de Kafka. Enfin, on s'est aligné à une version 2D de Kafka qui, lui aussi, a son propre cycle de vie qui avance assez vite. Pour l'instant, on n'a pas de soucis par rapport à ça. On fait des choses assez simples, hein, de production et de consommation. On n'a pas des choses complexes. Mais oui, pour la question, oui, on sera évidemment très vigilant pour ajouter à chaque fois des fonctionnalités et ne pas en enlever ou alors documenter peut-être une orientation majeure de changement et décrire évidemment quels sont les changements à opérer si jamais on a changé une syntaxe de façon cassée. D'autres questions? On est bon? Bien. Merci à tous d'être venus à cette session Capoeira. À bientôt.